Monsieur le ministre, cher Clément Beaune, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers membres du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors et son président, caro Enrico Letta, chers jeunes avec nous ce matin ici à la Cinémathèque de Paris et nombreux aussi connectés à distance, nous voici réunis en cette fin du mois de juin, au terme pour les uns de l'année universitaire, au terme pour d'autres d'une année d'apprentissage ou encore de l'année scolaire, pour d'autres encore au terme ou arrivé presque au terme d'examen en cette période. Mais d'abord, bienvenue à la cinquième promotion qui arrive, elle, au terme de son parcours de l'Académie Notre Europe. Je me réjouis tout particulièrement de voir auprès de cette promotion et parmi nous celle qui a tant donné pour ce parcours citoyen, pour cet événement de clôture, celle qui nous a tant manqué l'an dernier, la directrice de l'Académie, Sofia Fernandez. Mais nous approchons aussi du terme, en ce 28 juin, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Elle s'achève très précisément jeudi soir à minuit. Et je ne doute pas, Monsieur le ministre, qu'avec vos équipes, vous devez aussi un peu compter les jours avant de remettre cette haute et lourde responsabilité européenne à la République tchèque. Nous sentons bien qu'au terme de cette présidence, nous sommes aussi déjà au seuil d'une Europe nouvelle, celle qui finira bien par naître de la guerre atroce et meurtrière en train d'être livrée en Ukraine, sur notre continent. Une Europe nouvelle que dessinent les lointains élargissements qui se profilent à l'horizon, celle aussi qui se prépare à atteindre la neutralité carbone, objectif pour lequel il reste tant et tant de transformations profondes et coûteuses à accomplir. C'était l'une des priorités de la présidence française. La promesse d'Europe, c'est le titre de notre deuxième édition de cette conférence Jacques Delors. C'est celle d'une Europe décarbonée, d'une Europe élargie, démocratique, d'une Europe à nouveau réconciliée et en paix. D'une Europe où l'on puisse circuler en toute sécurité, avec ou sans pandémie. Une Europe qui offre plein d'opportunités pour partir étudier, travailler, voyager, pour réaliser ses projets. Et je remercie tous les acteurs présents à notre forum sur la mobilité qui informeront cet après-midi sur des diverses possibilités offertes. Car la mobilité est inhérente au projet européen et la promesse, c'est qu'elle devienne accessible à tous les jeunes. L'Europe ne doit pas être une fausse promesse, c'est peut-être la seule vraiment qui nous reste, l'Europe. Une promesse faite aux futures générations. Et je voudrais à présent appeler celui qui, chaque jour, s'efforce d'honorer cette promesse, qui lui est fidèle depuis ses jeunes années au Collège de Bruges jusqu'au Quai d'Orsay, en passant par Bercy, Matignon et l'Élysée au service du président de la République. Celui qui veut tenir cette promesse européenne comme député national, député de Paris, où il vient d'être élu, celui que d'aucuns considèrent déjà comme une vraie promesse politique, j'ai nommé Clément Beaune, que j'invite à me rejoindre à présent. Merci, Monsieur le ministre, de bousculer votre agenda pour être parmi nous ce matin, au terme de votre présidence européenne, au seuil d'une nouvelle législature et dans une Europe encore pleine de promesses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, cher Sébastien, Madame la Directrice, Monsieur le Président, cher Enrico Letta, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs et chers amis, car je reconnais, malgré la lumière tamisée de cette salle de cinéma, plusieurs visages amis dans cette salle. Je suis très heureux et très honoré d'être ici parmi vous dans un moment de clôture d'une promotion, d'une présidence, mais aussi, j'aime beaucoup le titre que vous avez retenu, dans un moment de promesses parfois exigeantes et parfois difficiles. Vous le savez, malheureusement, chacun l'a mesuré jusque dans nos vies quotidiennes. Au-delà des images de télévision, notre présidence, la 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne, a été percutée,
bouleversée par ce 24 février, le déclenchement de la guerre sur notre continent, à 3 heures d'avion de Paris, en Ukraine, par l'agression russe inqualifiable, atroce, et qui malheureusement, nous l'avons vu encore cette nuit, se poursuit avec la plus grande démesure et les plus grandes atrocités. Nous avons fait face collectivement à cette crise, même si nous devons le reconnaître avec honnêteté. Nous n'en sommes probablement qu'au début de ses conséquences économiques, sociales, politiques et géopolitiques. C'est pour cela que, plus qu'un bilan technique, en quelques mots, je voulais essayer de tracer avec vous quelques perspectives, en essayant d'être lucide, de rester optimiste sur ce qu'est notre promesse d'Europe à la lumière de cette guerre et de cette situation nouvelle. D'abord, sur la présidence elle-même, je crois, ce fut l'effort de la France, bien entendu, mais ce fut un engagement collectif qui a été exigeant lui aussi. Nous avons tenu face à cette situation nouvelle. L'Europe aurait pu choisir son droit à la tranquillité, qui l'a beaucoup caractérisé. Elle a choisi le devoir de puissance, le devoir de solidarité, l'exigence d'unité par les sanctions que nous avons appliquées contre la Russie. Nous sommes parfois face à une forme de déception ou de sentiment d'impuissance, car les sanctions n'arrêtent pas la guerre, nous le savons. Mais elles la ralentissent certainement, elles changent certainement les plans du président Poutine, elles empêchent en partie le plus atroce de s'ajouter au plus atroce. Et je crois que nous avons bien fait, en tant qu'Européens, avec nos alliés, sans se tromper sur ce que sont nos alliés, d'abord les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, d'autres encore, pour appliquer cette pression maximale contre la Russie, et nous continuons. Pour aussi, en européen, faire montre d'une solidarité nécessaire, probablement inédite là aussi, à l'égard du pays agressé, à l'égard de l'Ukraine, par un effort humanitaire, financier, mais aussi militaire, ce qui est un vrai bouleversement mental pour notre Union européenne. Qui aurait pu penser que dès le 27 février, une présidente de la Commission européenne, un haut représentant chargé de la politique étrangère, ensemble annoncerait des livraisons d'armes financées par l'Union européenne pour aider autant que nous pouvons l'Ukraine. Et nous avons quadruplé cet effort en 3 mois, pour que, là aussi, l'effort de résistance soit entretenu et soutenu par nous, Européens, et par nos alliés. Et puis, nous avons aussi fait preuve de solidarité, probablement imparfaite, mais impressionnante également, soyons-en conscients, dans l'accueil des réfugiés, en activant des mécanismes de protection inédits, rapides, en saluant, parce que nous devons aussi le faire, malgré les désaccords politiques qui perdurent, l'effort de solidarité exceptionnel qu'a fait un pays comme la Pologne, d'autres encore comme la Roumanie, la Slovaquie ou en dehors de l'Union européenne, la Moldavie. Nous l'avons accompagné, financé, soutenu. Ce fut aussi notre honneur et notre responsabilité d'Européens. Mais au fond, cette guerre, qui est évidemment la crise la plus menaçante, la plus traumatisante, la plus dure que nous avons à vivre, s'est ajoutée à plusieurs crises que nous avons connues ces dernières décennies. Cher Enrico Letta, vous les avez connues et affrontées dans d'éminentes responsabilités. Mais si je les résume sans être exhaustif, nous avons au fond levé 3 tabous européens en quelques années face aux urgences. Le tabou de la sortie. Personne ne pensait qu'un pays de l'Union européenne pouvait la quitter. Ce fut le cas avec le Brexit, le référendum de 2016. Là où chacun prédisait le délitement, nous avons réussi à penser ce choc, à y faire face et à rester unis, et sans doute d'ailleurs à renforcer encore notre intégration européenne à la lumière de cette surprise britannique. Le deuxième choc fut la crise de la Covid, ses conséquences sanitaires, mais aussi économiques et sociales, et nous avons affronté, levé un autre tabou, celui de la dette. C'est un tabou plus positif, car comme l'Italie, la France défendait depuis longtemps qu'une dette commune était une réponse appropriée à nos défis économiques, mais nous l'avons fait dans l'urgence, collectivement, en assumant un rapport de force politique, et nous avons pensé, là aussi, une dette commune, un investissement commun, une réponse commune à cette crise inédite. Et puis, nous avons malheureusement, tragiquement, dû affronter le tabou de la guerre ou de la paix, et considérer que la guerre pouvait être si proche, si brûlante, si douloureuse à nos propres portes. Et cela nous a obligés à repenser des modes d'action. J'évoquais l'engagement militaire, mais aussi, Sébastien y faisait référence, l'avenir de notre Europe, la nature de notre promesse européenne.
Je le dis souvent, au-delà des éléments techniques, au-delà du calendrier, quand on voit le débat qui nous a divisés puis réunis sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mesurons aussi la portée de cette question. Que sous les bombes, littéralement, le gouvernement d'Ukraine, le président d'Ukraine, le peuple ukrainien se donne la peine, si je puis le formuler ainsi, d'insister pour candidater à l'Union européenne, répondre à des milliers de pages de questionnaires européens qui auraient été dénoncés dans le débat public comme une affreuse bureaucratie bruxelloise, qu'ils aient pensé que c'était suffisamment important pour y consacrer, malgré l'effort de guerre, malgré la résistance, du temps, de l'énergie, de la disponibilité. Je crois que ça dit quelque chose sur l'attractivité de notre projet européen et de notre promesse européenne. Bien sûr, ce sera difficile. Bien sûr, nous devons l'honnêteté, je l'ai dit moi-même, ce processus prendra du temps, sinon nous ferions une erreur et pour l'Union européenne et pour l'Ukraine demain. Mais notre projet est vu aujourd'hui, parfois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme une protection, comme cette promesse démocratique, écologique, de sécurité, et nous devons aussi l'entendre comme telle. Et je pense que c'est la meilleure démonstration de force de l'Union européenne. Alors nous devrons tout repenser sans doute du sol au plafond. Nous ne sommes souvent capables de le faire que dans les grandes crises. C'est pour ça que nous avons ouvert des portes, ouvert des débats, et que cette présidence française n'a pas été consacrée qu'à la réponse d'urgence à la guerre, mais aussi à renforcer l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. La régulation des plateformes numériques, les normes sociales, la question écologique avec un paquet climatique majeur qui est adopté aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de ces travaux législatifs ont été éclairés par les travaux académiques de l'Institut et de beaucoup d'autres centres de recherche. Je vous en remercie parce que les idées et l'action ne sont pas déconnectées, nous devons le rappeler aussi. Mais nous devons repenser encore davantage le fonctionnement démocratique de notre Union européenne. Ce fut le sens de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a trouvé son aboutissement, s'il y a encore beaucoup de choses devant nous, au mois de mai dernier. Et puis, bien sûr, de notre architecture politique et géopolitique européenne. C'est le sens d'un débat provoqué, au sens étymologique du terme, par le président de la République le 9 mai dernier, en parlant d'une communauté politique européenne. Le nom pourra évoluer. Le format doit être discuté. Les coopérations que nous y incluons doivent être discutées aussi. Mais je crois que c'est très important de pouvoir dire que l'Union européenne ne résumera pas toutes nos coopérations politiques sur le continent européen. Et qu'au fond, des choses que nous n'avions pas pensées, comment au-delà de l'élargissement, nous pouvons avoir une politique étrangère et de voisinage qui ne soit pas seulement la croissance et l'absorption. Comment nous pouvons imaginer les degrés d'intégration différents. Comment nous pouvons exercer notre puissance géopolitique à nos marches ou à nos frontières. Comment nous pouvons repenser notre relation avec d'autres pays dans des situations très différentes. Le Royaume-Uni, bien sûr, qui sans doute ne reviendra pas dans l'immédiat dans l'Union, mais avec lequel nous devons penser une socialisation politique différente, comment nous envisageons notre relation à la Turquie, et comment, bien sûr, le sujet est prématuré, trop douloureux aujourd'hui, mais comment, après la guerre, après Poutine, il y aura un jour une relation entre l'Union européenne et la Russie, le peuple russe et la société russe. Nous ne pouvons pas aujourd'hui l'imaginer, mais nous devons en tout cas le garder dans un coin de notre tête, parce que c'est l'Europe qui créera cette relation, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, qui définiront notre rapport géopolitique à la Russie et au continent. Alors, vous voyez que nous sommes au fond dans un moment qui n'est pas si éloigné de celui que nos pères fondateurs avaient connu. Je sais qu'on se gargarise parfois de vivre des moments aussi importants, mais sans doute, et je le dis pour ceux qui ont participé à l'Académie, aux travaux, pour la nouvelle génération, ce sera votre responsabilité. Elle est difficile, elle est compliquée, elle est, je crois, aussi exaltante. Et le mot de promesse est sans doute celui qui résume le mieux. La promesse, c'est quelque chose de flou, d'indéfini, que nous pouvons construire nous-mêmes, qui comporte des risques, mais le charme aussi d'une lumière naissante que nous devons entretenir et d'une flamme que nous devons faire grandir. Alors, ce sera votre responsabilité générationnelle. Je sais que l'Institut et ses travaux continueront de longues années à éclairer ce chantier, mais je veux le dire une dernière phrase en parlant d'un cliché. Puisque j'ai commencé en parlant de la guerre, nous pourrions penser que nous devrions effacer de nos discours parfois convenus cette phrase « L'Europe, c'est la paix ». Quand j'étais jeune, on disait qu'il ne fallait plus l'utiliser parce que ça ne parlait plus à personne. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il ne faut plus l'employer parce que la réalité dément le cliché.
L'Europe, ça n'est pas la paix, puisque la guerre est à nos portes. Et pourtant, je pense que la phrase n'a jamais été aussi vraie et jamais aussi nécessaire comme une promesse. Parce que nous voyons bien que si la guerre est à nos portes, elle n'est pas dans l'Union européenne. Et ce n'est pas tout à fait un hasard que les Ukrainiens pensent, je crois à raison, qu'en ralliant, même dans plusieurs années, l'Union européenne, ils seront mieux protégés, que la paix sera revenue ou garantie. Et n'oublions jamais à quel point la guerre et la paix définissent encore nos constructions humaines et à quel point, si peut-être la construction européenne n'a pas créé la paix, elle l'a entretenue, elle l'a solidifiée. Et quand nous passons de longues heures dans des sommets européens, beaucoup l'ont connu ici, ou dans des discussions du Parlement européen, j'ai aperçu Hervange Berès et d'autres qui les connaissent aussi, c'est fait exprès. C'est pour que pendant ce temps, pendant qu'on se dispute sur un amendement ou sur un communiqué, on ne se dispute pas sur un champ de bataille. Alors continuons à avoir cet esprit de débat européen, parfois fastidieux, parfois plus prometteur, qui accélère dans les grands moments de l'histoire, parce que c'est cette promesse de paix qui est plus que jamais la promesse de l'Europe, mais c'est à nous de l'entretenir, à nous de la faire vivre et à votre génération de la construire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, et nous comptons bien sur vous dans vos futures hautes responsabilités politiques pour tenir cette promesse européenne. J'appelle maintenant celle dont la voix vous sera familière pour les auditeurs du 7-9 de France Inter. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous. La rédactrice en chef à Radio France, ancienne correspondante à Rome, ex-consoeur que j'ai le plaisir de retrouver et que j'appelle à venir sur scène immédiatement pour reprendre la suite après avec les jeunes de l'Académie de la 5e promotion avec qui nous allons pouvoir échanger. Anaïs, à toi. Bonjour à tous. Donc la matinée va se passer en deux parties. On aura un moment d'échange avec Enrico Letta en première partie. Et puis la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, viendra nous rejoindre aux alentours de midi. Il y aura aussi un moment d'échange entre la salle et elle. Donc, j'appelle les quatre jeunes qui vont venir dialoguer avec Enrico Letta ce matin. Donc Thiago, Erwan, Elena et Sofia, merci de nous rejoindre sur la scène. Donc écoutez, venez, prenez place. Installez-vous, laissez peut-être la chaise du milieu à Nicoletta. Voilà, donc on va avoir ce moment d'échange. Et donc nous rejoint Enrico Letta. Pour ce moment donc festif, hein, puisque ça va quand même être aujourd'hui la remise des certificats de l'Académie Notre Europe. Moment de discussion aussi. Alors Enrico Letta, faut-il vous présenter, puisque vous êtes quand même ici un peu chez vous. Vous êtes le président de l'Institut Jacques Delors. Vous êtes aussi par ailleurs actuellement le secrétaire du PIDI italien, le Parti démocrate ou le Parti démocratique. Alors, je ne sais pas si on a tranché sur la traduction. Parti démocrate italien. Vous avez occupé les plus hautes fonctions en Italie, puisque vous avez été le président du Conseil des ministres en 2013, à la tête d'une grande coalition, ce qui nous parle en ce moment ici. Vous devenez à 32 ans le plus jeune ministre de l'histoire politique italienne, ministre des politiques communautaires, l'Europe déjà. Vous avez passé votre enfance à Strasbourg, l'Europe toujours. Vous avez été député européen. Vous avez eu une carrière d'enseignant en France, puisqu'en 2015, vous avez pris la tête de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris pendant 6 ans. Et puis donc, l'Académie Notre Europe, c'est aussi un peu votre bébé. Mais on a donc avec nous quatre jeunes qui ont tous des parcours divers et prometteurs. On va commencer avec vous, Sofia Staderini. Vous êtes franco-italienne. Vous êtes actuellement en Allemagne, c'est ça? Vous êtes à... Alors, le micro, est-ce qu'il est allumé?
Oui, c'est bon. Vous étudiez actuellement à Berlin, vous êtes à la Hertie School, c'est ça? Vous faites un master de... En affaires internationales. Master en affaires internationales, voilà. Et donc, vous êtes passionné d'Europe, vous avez fait aussi la Scuola di Politica en Italie, et vous avez rejoint l'Académie Notre Europe cette année, justement parce que le sujet vous intéresse. Et donc, je vous laisse poser votre première question à Enrico Letta. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour reprendre le discours du ministre Beaune, l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue un basculement majeur pour les questions de sécurité en Europe, avec le retour de la menace russe notamment. Du coup, tant il est vrai que la guerre en Ukraine a entraîné des efforts d'approvisionnement et de solidarité en matière de défense, il est vrai aussi que de nouvelles inquiétudes font face à l'Union, notamment chez les pays baltes. De là, comment l'invasion russe de l'Ukraine a-t-elle affecté l'architecture sécuritaire de l'Europe actuelle et future, et notamment, quelles seront les implications de l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et la Suède? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous revoir là, comme l'année passée. L'année passée, ça avait été vraiment génial. Il y avait plus de chaleur pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est beaucoup plus confortable. Et merci Sophia, merci Sébastien, merci à toute l'équipe de l'Institut pour ce magnifique travail et bravo aux jeunes de l'Académie qui terminent cette année, cette fantastique année qui a été complexe pour beaucoup de raisons, mais qui se termine dans la meilleure des façons ici à la Cinémathèque. Je entre tout de suite dans le sujet que Sophia nous a proposé parce que effectivement on s'attendait, mais on l'a entendu des paroles très profondes de Clément Beaune, on s'attendait que les débats, les discussions sur l'Europe auraient dû continuer sur les grands sujets de l'économie, de la citoyenneté, peut-être des migrations, peut-être les questions de technologie, et puis tout d'un coup on s'est réveillé dans un monde dans lequel les sujets de la force, les sujets de la guerre ou de la paix sont redevenus centraux. Ils ne l'étaient pas, et ils ne l'étaient pas surtout au sein de notre débat européen. Donc, vous faites un pas très important en mettant l'accent sur qu'est-ce que ça change dans le futur. C'est évident qu'un grand changement est lié au fait que le côté... aspect de sécurité, politique étrangère, de sécurité commune, était assez faible à l'intérieur de la vie européenne par rapport à tout le reste. Le fait même que dans ces sujets-là, ce soit plutôt l'unanimité. Là, c'est le thermomètre qui donne l'idée de... Quand vous avez l'unanimité, ça veut dire que ça compte peu en Europe. Quand vous avez le vote à la majorité... ça veut dire que ça compte beaucoup en Europe. Vous avez la monnaie, l'agriculture, le commerce international. Là, c'est les enjeux où l'Europe compte, parce que c'est le vote à la majorité et c'est la Commission qui mène le jeu. Vous avez d'autres domaines dans lesquels c'est plutôt le droit de veto, l'unanimité, alors politique étrangère, de sécurité commune, tout ce domaine-là, un domaine dans lequel c'est plutôt le droit de veto. On l'a vu et on continue à le voir. Ce que la Hongrie a fait, par exemple, pendant les dernières semaines, nous donne l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une Union européenne qui n'est pas capable, à cause des règles qu'elle a, de faire bouger les lignes, de faire en sorte qu'on puisse décider rapidement, parce qu'effectivement, la question majorité, droit de veto, implique tout de suite une efficacité ou un manque d'efficacité dans la décision. Et quand on est dans la politique étrangère, dans les grandes crises, l'efficacité est tout. Si on n'est pas capable de promettre une capacité d'efficacité, évidemment, on n'est pas crédible. Et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, à cause, par exemple, du blocage des sanctions de la part de la Hongrie, évidemment, nous raconte une histoire qui est une histoire encore à compléter. Donc, ma première réponse à votre question qui est très bien posée est que si on continue avec cette architecture institutionnelle pour laquelle, dans ce domaine,
il faut prendre des décisions dans lesquelles tout le monde est content. Et si quelqu'un veut employer le droit de veto qu'il a le droit d'employer, simplement pour des questions de chantage, non pas parce qu'il n'est pas d'accord sur ce sujet, mais il dit « j'enlève mon veto seulement si vous me donnez ça ». C'est ce qui s'était passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, crise biélorusse, sanctions, et un pays, Chypre, qui met le veto, non pas à cause des crises, des sanctions sur la Biélorussie, sur le contenu, mais à cause de la relation avec la Turquie, évidemment, qui est un sujet majeur, important pour Chypre, et on est totalement solidaire avec eux, mais ça n'avait rien à faire avec la question biélorusse. Évidemment, le manque d'efficacité fait en sorte qu'on est moins crédible. Donc, moi, je pense que là, il y a le sujet principal. L'Europe ne sera jamais forte, crédible dans ce domaine si on n'arrive pas à enlever ce droit de veto. Pour le faire, il faut absolument qu'on soit capable de faire démarrer cette convention européenne. Convention qui donne donc la possibilité de changer les traités et d'arriver là. La conférence sur l'avenir de l'Europe a donné cette ligne. Le Parlement européen, on va recevoir la présidente du Parlement européen dans quelques minutes, le Parlement européen a voté à la majorité en faveur du déclenchement de cette convention. Donc moi, je pense que là, c'est le sujet principal. Vous avez touché aussi le sujet lié à l'OTAN. Peut-être on va y revenir. Mais moi, je pense que si on doit dire une chose, la chose importante est celle-là. Merci, merci. On va effectivement poursuivre sur la crise en Ukraine. Alors, je ne sais pas si on abordera l'OTAN maintenant, mais Elena Rubinsky, vous êtes avec nous. Alors, vous êtes franco-russe. Vous avez 22 ans, vous avez travaillé pour l'ONU, vous avez travaillé aussi pour l'Institut français des relations internationales, vous êtes diplômée du King's College à Londres. Vous vous intéressez donc en particulier au mouvement démocratique dans l'espace post-soviétique, donc on est vraiment là au cœur du sujet, les dynamiques migratoires, le rapprochement avec l'Union européenne, et donc c'est le thème de votre question, Enrico Letta. Bonjour à tous. Ma question porte sur les migrations. Elle est la suivante. Donc, un cadre exceptionnel a été mis en place afin de prendre en charge l'arrivée de réfugiés ukrainiens avec un mécanisme de protection temporaire permettant aux Ukrainiens de bénéficier d'un certain nombre de droits tels que un soutien pour accéder à un logement, une prise en charge des soins de santé, un droit de scolarisation des enfants et l'autorisation de travailler. En même temps, des pays européens tels que le Royaume-Uni, la Croatie, la Grèce ou encore la Pologne ont de plus en plus recours à des techniques de refoulement de migrants illégaux. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces diverses façons de gérer les flux humains et comment pensez-vous que les pays européens feront face aux futurs flux migratoires toujours plus importants? Merci. Bon, évidemment, cette crise liée à l'invasion russe de l'Ukraine a beaucoup fait basculer le débat et a fait en sorte que pour la première fois, vous venez de le dire, on a appliqué cette directive de 2001, donc après plus que 20 ans, on a pu appliquer cette directive sur la protection temporelle. C'est un passage majeur aussi du point de vue de l'image de ce que ça donne. Je le dis très franchement. La question des réfugiés ukrainiens était une question qui était là aussi un thermomètre, parce que les Ukrainiens sont des blancs chrétiens. Évidemment, ça c'est un changement clé, parce que tout le débat sur les flux migratoires dans le passé récent était un débat qui était lié surtout à des flux qui venaient d'Afrique ou du Moyen-Orient, donc avec des couleurs de la peau différentes, et avec des inspirations religieuses aussi, qui n'étaient pas celles qui sont majoritaires en Europe. Et le passage de dire « on ouvre à tous » en appliquant cette directive de 2001 est un passage majeur, c'est un changement énorme. Un grand changement qui nous amène aujourd'hui à regarder à ce qui s'est passé avec l'Ukraine avec un œil
très positif. La solidarité, ça a marché. Et évidemment, ça a marché dans tous nos pays, dans des communautés locales. On a vu ce que ça a donné. Et je pense que ça a été une réponse exceptionnelle de la part de nos territoires, de notre esprit de solidarité. C'est très beau, on va en reparler cet après-midi avec cette très belle journée que nos équipes, sous la direction de Sébastien, ont organisée. Et vous allez voir, et c'est, l'échange entre nous va aider là-dessus, parce qu'on a donné une démonstration de solidarité très importante. Je pense que ça a été vraiment quelque chose de très, très bien. Mais votre question est sur le futur. Et donc, je veux répondre à votre question sur le futur en vous disant que je suis moins optimiste sur le futur, de ce que je suis content de ce qui s'est passé maintenant. Parce que je vois tout de suite les problèmes arriver. Le fait que quelques pays, qui sont les pays voisins de l'Ukraine, aient voulu donner une grande démonstration de solidarité, mais en même temps, n'aient pas voulu partager avec les autres. Ce n'est pas seulement une idée de la part de ces pays de dire on veut faire ça parce qu'on est encore plus solidaire. On sait tous très bien ce que ça veut dire. On fait comme ça parce que la prochaine fois qu'une chose pareille se passe à d'autres, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, on ne veut pas qu'on nous dise « on vous a aidé quand c'était vous, maintenant vous nous aidez ». Chacun fait comme il peut avec ses voisins. Ça, c'était le message. Ce n'est pas un bon message, je le dis très franchement. C'est un très mauvais message parce que la vraie force de l'union, c'est son union. Le fait que Stronger Together, 500 millions, ça donne la possibilité d'intégrer des flux migratoires de quelques milliers de gens quand les choses se passent, liées naturellement à des guerres. Ça a été le cas en Syrie, c'est le cas dans d'autres pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Ça peut marcher si on a une capacité de redistribuer ces flux parmi 500 millions de gens. Mais quand ces flux arrivent dans un seul pays, que ce soit la Grèce plus petite, l'Italie plus grande, l'Espagne plus grande, mais le problème est toujours le même. Quand vous avez, c'est comme dans une ville de 20 000 personnes ou dans une classe scolaire dans laquelle vous avez 30 élèves, une chose est celle d'intégrer 5 personnes, autre chose est celle d'intégrer 20 personnes. Évidemment, ça change tout. C'est une façon donc de faire en sorte que ça puisse marcher. Alors, moi, je pense que l'Europe doit se poser, je termine là-dessus parce que le sujet est énorme, l'Europe doit se poser le sujet d'avoir un débat sur son avenir de politique migratoire. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Il faut le lier aussi au déclin démographique de l'Europe, aux choix qu'il faut faire. Je vous signale à vous tous le très beau travail qu'un groupe de travail sous la direction de Jérôme Vignon à l'Institut Jacques Delors il y a quelque temps a mené sur les politiques migratoires de l'Union. Là, vous trouvez toutes les réponses et la nécessité, moi je termine là-dessus, d'imaginer qu'on puisse trouver une solution à 27 et si on ne la trouve pas à 27, il faut la trouver à 19, à 20 ou à 22 ou à 24. Si on ne la trouve pas et si on laisse le sujet sans réponse, à la prochaine crise, on va à nouveau avoir des réponses insuffisantes et le populisme anti-européen monter. Mais justement, très rapidement, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a une prise de conscience au niveau des dirigeants européens? Parce qu'on n'est plus dans une crise migratoire ponctuelle. Je veux dire, on l'a bien vu, on a eu la guerre en Syrie, les Afghans, l'Ukraine. Selon toute vraisemblance, ce qu'on a appelé la crise migratoire va se poursuivre. Est-ce que vous, de votre point de vue d'observateur, vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des dirigeants? Ma réponse, je suis assez libre de pouvoir parler et de dire sans langue de bois ce que je pense. Ma réponse ponctuelle est non. Je ne vois pas cette conscience. Je vois que, comme toujours, on parle de ces sujets quand le toit de la maison est en train de s'effondrer, car il y a un orage. Mais comme on dit toujours, ce n'est pas le bon moment pour refaire le toit. Le bon moment pour refaire le toit, c'est quand il y a le beau temps, quand il n'y a pas d'orage,
Et évidemment, c'est le problème de toujours. La Commission a même mis en place un grand projet il y a 3 ans. Ce projet est toujours là. Il n'y a même pas eu de débat qui a fait faire des pas en avant. Donc, ma réponse est hélas non. J'espère que cette crise soit utile aussi pour faire prendre conscience à tous les dirigeants européens, à l'opinion publique européenne, au débat politique européen, qu'il faut prendre vraiment à bras raccourci le sujet. Il faut absolument le faire. Si on ne le fait pas, je pense que les conséquences vont être vraiment très négatives dans le futur. Merci, merci Sophia, merci Elena. Je me tourne maintenant vers vous, Erwan Jaïn. Vous êtes français d'origine bretonne. Vous avez 26 ans, vous travaillez dans une banque, mais surtout vous avez, ce qui est intéressant, effectué tout votre cursus universitaire hors de l'Union européenne, hors de l'Europe, au Canada. Donc en fait, un point de vue assez éloigné pour observer justement ce qui se passe en Europe et avoir un peu de recul et constater les atouts et la nécessité d'une Europe forte. Et c'est un peu le sens de votre question. Oui, tout à fait. Alors, donc oui, ma question est posée sur la démocratie. Et en fait, on constate depuis quelques années que les principes démocratiques et les valeurs humanistes qui sont défendues par l'Union européenne sont remises en question aussi bien de l'intérieur, donc je pense au score de plus en plus élevé que peuvent faire les populistes aux élections, ou bien la remise en cause de l'état de droit dans certains pays membres, que de l'extérieur, donc évidemment je pense à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc ma question, tout simplement, c'est est-ce que vous pensez que l'Union européenne ou les démocraties en général sont taillées pour faire face à ce type de menaces ? Tout simplement. Non, merci, parce que c'est un sujet passionnant et c'est effectivement ce qui est en train de se passer, parce que évidemment, on voit toute la différence. La menace de Poutine est une menace qui est la menace à nos systèmes démocratiques, parce qu'il est évident qu'il travaille sur la fatigue de nos systèmes dans lesquels il est évident que des démocraties ont une capacité de critique, d'autoconscience, de conscience, qui fait en sorte que, par exemple, c'est pas comme chez lui. Chez lui, il n'a pas de problème d'opinion publique, il n'y a pas de problème de sondage, il est assez tranquille. Il continue à mener son jeu de boucher comme il a fait dès le début. Il va continuer sans avoir des problèmes internes parce qu'il a été capable de maîtriser ça et parce que c'est une fausse démocratie. Il est évident que chez nous, la question démocratique est une question fondamentale, importante, parce que la fatigue démocratique est là. Je viens d'un combat électoral dans mon pays. On a eu des élections locales. La France vient d'avoir eu les élections présidentielles et législatives. J'ai vu dans les deux pays le taux d'abstention monter jusqu'à 50%. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ce taux d'abstention arrive dans un moment dans lequel on voit qu'est-ce que ça veut dire que des peuples luttent, des gens meurent pour pouvoir garder les principes et les libertés démocratiques. Et de voir tout ça avec ce taux d'abstention, je ne suis pas en train de blame ceux qui ne vont pas voter, je suis en train de faire un discours de conscience, de dire c'est un sujet majeur, c'est un problème énorme chez nous. Les gens qui se disent « bon, je ne vais pas voter parce qu'ils vont faire comme ils veulent. Mon vote n'a aucune importance. L'un et l'autre, c'est la même chose. » Évidemment, ce que l'on voit, même avec des systèmes, le système français est un système qui appelle à la participation. Quand vous avez à trancher entre deux, c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas difficile. C'est un derby qui est très passionnant, intéressant. Nous, on avait le deuxième tour des élections municipales, c'était la même chose dimanche dernier, on avait dans beaucoup de mairies l'un ou l'autre. C'est facile, c'est passionnant, c'est pas compliqué. Mais à la fin, la participation est très basse. Donc, on a un problème démocratique
ce problème de démocratie, je pense, doit trouver soit au niveau européen, soit dans les niveaux nationaux, un nouvel engagement de la part des partis politiques, des protagonistes de la vie politique. Mais aussi, il faut, je pense, tirer des leçons de cette période. Tirer des leçons, ça veut dire faire un peu plus d'efforts pour faire comprendre et pour comprendre nous-mêmes quelle chance que nous avons de vivre en démocratie et quelle chance nous avons de pouvoir défendre nos démocraties, démocraties dans lesquelles on vit dans une situation qui est une situation dans laquelle on peut être libre, on peut choisir, on peut critiquer, on peut prendre des décisions qui soient donc dans cette alignée. Et évidemment, tout ça a aussi un niveau de complexité lié dans quelques pays européens au fait que la question de l'état de droit est une question qui est complexe. Le rôle de la magistrature, le rôle de la presse, la façon dans laquelle on discute et on vit dans un état de droit qui est essentiel. Donc moi, je pense sérieusement qu'au niveau européen, il faut être un peu plus net, plus dur. Il faut aimer nos démocraties, mais il faut les faire évoluer. Il faut les faire évoluer. Moi, je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe a été un exercice fondamental. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont participé. Ça a été très important. Mais il faut faire évoluer les choses au niveau européen. Moi, je suis hyper partisan, par exemple, de la question des listes transnationales. Et je vous explique quel est le point et pourquoi je pense que c'est essentiel. Le Parlement européen qui choisit et vote le président ou la présidente de la Commission européenne, c'est un Parlement européen élu comme séquence de 27 élections nationales dans laquelle il n'y a pas d'enjeu européen. Parce que moi, Italien, je ne peux voter que des Italiens qui sont dans les listes italiennes dans un débat tout italo-italien. Même chose pour les Français, la même chose pour les Allemands, les Espagnols, les Portugais. Il n'y a pas de vote vraiment européen lors des élections européennes. Le Parlement européen, en prenant une des propositions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, a voté en faveur, c'était la première fois, et ça a été un vote à la majorité absolue, d'avoir les listes transnationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie du Parlement européen doit être élue avec un vote de tous les citoyens ensemble, de tous les citoyens européens ensemble, sur des listes qui sont transnationales, qui sont européennes. Et moi, je vote pour Sofia, même si Sofia n'est pas de mon pays, je vote pour Sébastien ou pour Claire, même s'ils ne sont pas de mon pays, parce que je partage ce qu'ils proposent. Et vous pensez vraiment que, alors qu'on voit qu'il y a 50% d'abstention, y compris pour des élections locales, quand on vote pour son maire, c'est quand même l'élu de terrain, l'élu local qu'on connaît, cette idée de éventuellement voter pour un député d'un autre pays, ça mobiliserait plus l'électorat. Moi, je vous dis pourquoi oui, au niveau européen, cette élection transnationale emmènerait avec elle l'élection du président de la Commission européenne, c'est-à-dire la tête de liste des différentes listes transnationales serait le candidat président de la Commission européenne des différentes tendances au niveau européen. Vous auriez Madame Le Pen à la tête d'une liste avec Salvini et ses amis anti-européens, et vous aurez d'autres. Et on pourrait voter, et ce vote ferait en sorte que, en tant que citoyen, on soit capable de choisir de Paris, de Porto, de Stuttgart, de faire un choix. Là, ça compléterait un parcours qui aujourd'hui n'existe pas. Donc, il est évident que ça ne résout pas le problème de l'abstention au niveau de la commune, mais ça donne, je pense, une grande force au niveau européen, qui est un niveau qui a un problème. De mon point de vue, moi, je sais toujours, quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui dit non, du point de vue de la légitimité, tout est parfait. Oui, il est vrai qu'au niveau européen, tout est parfait en termes de légitimité formelle. On ne peut pas
se cacher derrière le fait que le vote du Parlement européen est toujours un vote très national. Ce n'est pas un vote européen. Moi, je voudrais que ça devienne un vote européen. Je pousse sur cette ligne, on pousse sur cette ligne. J'espère que ça va donner des bonnes conséquences. Après, il faut un vrai travail d'information et de campagne, hein. Il faut faire un travail d'information au plus près des citoyens. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va nous aider. C'est pour ça que je suis optimiste aujourd'hui. Ce qui nous aide aujourd'hui, c'est la technologie. Vous allez me dire quel est le sens de cette affirmation. Qu'est-ce que la technologie va nous aider? Parce que la vraie question de tout ça, c'est la question de la langue. Moi, je mène la campagne électorale dans mon pays, dans ma langue maternelle, et les gens comprennent ma langue maternelle. Il est évident que si moi je ne parle pas allemand, si j'allais en Allemagne mener une campagne électorale, je serais une catastrophe. Et si un Finlandais venait en Italie mener une campagne électorale, ce serait compliqué. Moi, je dis la technologie parce qu'aujourd'hui, on sait tous très bien qu'on arrive à des niveaux d'innovation, de sophistication très importants sur le côté de la traduction immédiate de ce qu'on dit et de la capacité donc d'avoir des débats entre des gens, par exemple à la télévision ou dans les médias, qui soient faits dans d'autres langues. Moi, j'ai eu la chance, mais simplement parce que j'ai travaillé en France, j'ai grandi en France, je parle français, de faire un débat avec Marine Le Pen à la télévision française. Pour moi, ça a été super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en parlant avec elle, j'ai trouvé que les sujets, c'était comme si je parlais à la télévision italienne avec Salvini. C'était exactement la même chose. Ce qui démontre, de mon point de vue, que le débat politique est désormais européen. Il est vrai, il y a des aspects, il y a des nuances nationales, mais le cœur des sujets, la question de la souveraineté, la question des choix énergétiques, la question de la Russie ou de l'Ukraine, la question des emplois, la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, c'est les mêmes, c'est absolument les mêmes. Le problème, c'est que les langues sont différentes. Donc, il faut, et c'est grâce à l'innovation technologique que ça va aider, et je pense que le futur va être un futur dans lequel on va être capable de mener ce jeu et ça va aider la démocratie, ça va aider nos citoyens à être beaucoup plus attentifs à tout ça. Merci. Il faudrait aussi un discours de vérité des dirigeants nationaux sur leurs compétences et les compétences européennes. On va finir notre échange avec la dernière question. C'est vous qui allez la poser, Thiago Duché. Vous avez 23 ans, vous êtes, vous, ingénieur dans l'aéronautique, donc éloigné des questions européennes, mais qui vous intéressent. Hein, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous souhaitez comprendre comment fonctionne l'Europe. Hein, donc, et depuis le début de cet échange, on a parlé en filigrane, évidemment, de la crise ukrainienne. C'est ce qui vous intéresse tous ici ce matin. Et c'est aussi votre question à vous, Thiago. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur Enrico Letta. Donc, la semaine dernière, le Conseil européen a décidé à l'unanimité d'accorder le statut de candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Donc, ces pays ont donc rejoint l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie en tant que pays candidats à l'Union européenne et entament un long processus de négociation qui vise à garantir le respect des critères d'adhésion à l'Union européenne. Dans ce cadre, ma question est double. D'une part, si l'élargissement peut être perçu comme une opportunité pour porter les valeurs de l'Union européenne à d'autres pays, cette dynamique n'engendre-t-elle pas aussi le risque de freiner la dynamique de l'approfondissement de l'intégration européenne? D'autre part, alors que l'adhésion des pays candidats, notamment de l'Ukraine, prendra plusieurs années, voire décennies, que pensez-vous de la communauté politique européenne, ce nouveau forum de dialogue politique et de coopération qui a été proposé par le président Emmanuel Macron et validé par le Conseil européen la semaine dernière? Bon. Vous avez 10 minutes. Bon, j'espère que Madame Metsola va être en retard. Comme ça, je vais prendre quelques minutes de plus. Alors, premièrement, comme l'a dit Clément Beaune très bien,
La semaine passée, il s'est passé quelque chose de très fort. L'Europe a donné une réponse institutionnelle et politique de grande envergure à la crise et à la guerre, parce qu'on a donné le statut de candidat à un pays qui est envahi. Et on a donné le statut de candidat à un autre pays qui risque d'être envahi. La Ukraine, évidemment, et la Moldavie. Je crois que ces deux choix ont été quelque chose vraiment de bouleversant. La première fois dans l'histoire de l'Europe, on a toujours donné le statut de candidat à un pays qui était sorti d'une crise, un pays qui commençait un parcours. Le statut de candidat était le début de ce parcours. Mais non pas un pays qui était dans une crise profonde comme celle dans laquelle se trouve l'Ukraine à cause de l'invasion russe. Et la même chose pour la Moldavie. L'Europe a donné le statut de candidat à des pays qui sortaient d'une guerre ou à des pays qui sortaient d'une dictature. Pensons aux années 80, quand le choix avait été fait avec la Grèce, avec le Portugal, l'Espagne, et puis évidemment avec les pays qui sortaient du bloc soviétique. Mais cette fois-ci, le choix de dire l'Ukraine va être protégée par cette famille européenne. L'Ukraine qui est aujourd'hui envahie et la Moldavie qui risque d'être la prochaine, parce qu'on a entendu très bien les propos de Medvedev, de Poutine, de Lavrov contre la Moldavie. On a entendu les cris d'alerte de la présidente de Moldavie. Eh bien, on dit la Moldavie, ça va être Europe. Donc, elle va être sous la protection de l'Europe. Donc, un pas très important. On a employé vraiment toute la force que l'Europe pouvait employer. Ce n'était pas quelque chose de... On n'était pas sûr de ça. J'en profite pour saluer Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, qui vient de nous rejoindre. Je profite aussi pour saluer Pina Picerno, qui est vice-présidente du Parlement européen. Et je vous demande aussi d'applaudir Klaus Welle, qui est secrétaire général du Parlement européen. J'ai la chance de connaître depuis 32 ans. Donc, je complète et maintenant je vais raccourcir mes propos. Donc, ça a été un passage très important, très fort. L'Europe, l'action européenne a été une action forte. Ça a changé l'histoire et ça a fait bouger les lignes dans le monde entier, évidemment. On a parlé de ça et ça a été un choix important. Mais quel est le sujet sur l'avenir et pourquoi au sein de l'Institut, et je dois dire même avant la proposition de communauté politique européenne du président Macron, on avait parlé, on a lancé des idées. Nous, on l'appelait la Confédération européenne. Évidemment, le nom compte, mais ce qui compte est la substance. Le président du Conseil européen parle de communauté géopolitique européenne. Moi, je soutiens beaucoup la proposition de Macron de communauté politique européenne. Il a eu du courage à la lancer le 9 mai à Strasbourg lors d'un discours au Parlement européen. Et en plus, il l'a fait en tant que président de l'Europe tournante, donc quelque chose de très fort. Pourquoi on a lancé, nous, cette idée? Pour une raison très simple. Pour chercher d'éviter aujourd'hui les fautes qu'on a faites dans les années 90, lors du dernier élargissement. Parce que moi, je pense qu'on a fait des fautes, des erreurs. De mon point de vue, l'erreur principale a été celle de créer un mécanisme de blanc ou noir. Ou bien tu es in et tu es au paradis. Mais si tu es dehors, c'est l'enfer. Il n'y a rien in between. Parce que franchement, tout ce qu'on a créé pendant le temps, moi j'étais toujours très proche du président de la Commission européenne, Romano Prodi, qui avait lancé
le Ring of Friends, les politiques de voisinage, tout le reste. Il y a les accords d'association entre l'Europe et les pays candidats, mais ce n'est pas la même chose. Ce que, de mon point de vue, a manqué, c'est un espace multilatéral dans lequel les pays candidats font expérience de la force de l'Union. Quelle est la force de l'Union ? Le fait qu'on est tous des minorités. Et ensemble, en vivant l'espace à 27 ou peut-être à 36, on vit cette idée que puisqu'on est des minorités, il faut se respecter. Alors, quelle est l'idée qu'on a lancée ? Celle de créer tout de suite un espace potentiellement à 36, ça veut dire les 27 plus les 9 pays potentiels candidats à l'entrée, donc les deux plus la Géorgie, l'Albanie, Macédoine du Nord. Quand je parle d'Albanie et Macédoine du Nord, il faut toujours comprendre que ces pays-là étaient en liste d'attente depuis beaucoup de temps. Et quand on entend quelques-uns de ces dirigeants dire « Mais que faut-il faire pour entrer dans l'Union européenne ? Faut-il être envahi par les Russes pour vous convaincre, à vous les Européens, qu'on est digne d'entrer dans l'Union ?» Ils ont raison, franchement. Ils ont raison de dire ça. Alors, l'idée est celle de, non pas de changer l'Union, là, l'Union, il faut la changer pour ceux dont on parlait auparavant. Comme le Parlement européen l'a dit, il faut ouvrir une convention, il faut éliminer le droit de veto. Ça, c'est ce qu'il faut faire en termes d'approfondissement à l'intérieur de 27. Mais pour l'élargissement, de mon point de vue, de notre point de vue, il faut créer cet espace multilatéral. Tout de suite, quelle est la force de cette proposition ? Qu'on donne aux Ukrainiens tout de suite l'entrée dans la famille européenne, cette confédération européenne. On peut faire ça à l'automne. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette proposition n'a aucun sens si on la fait dans 2 ans. Ça a du sens si on le fait tout de suite, à l'automne. Et on peut le faire tout de suite grâce, c'est ma proposition, à l'application de la méthode G20. 2008, crise économique et financière, on convoque le G20 en quelques semaines. Le G20 est devenu un grand et très important lieu multilatéral mondial. On n'a pas eu besoin de traiter au début. On peut faire la même chose avec cette enceinte, les 36. On convoque tout de suite, de la part de Bruxelles, cette réunion à 36, avec les drapeaux, avec la visibilité de tout ça, et on crée cette confédération qui partage l'état de droit, les grandes questions politiques, qui commence à créer une zone de libre-échange, qui met ensemble l'Erasmus, qui fait des choses visibles et commence à créer la potentialité pour ces pays candidats d'entrer dans un espace de débat multilatéral. Ils apprennent à vivre comme nous, on a toujours appris à vivre avec les autres pays européens, à décider tous ensemble. Tout ça peut se passer tout de suite, ça peut devenir opérationnel dès la fin de l'année. Imaginez-vous ce que ça donnerait avant la fin de l'année à Bruxelles, 36 pays, avec les drapeaux, avec l'Ukraine, avec Zelensky là, avec tous les autres, ça donnerait quelque chose d'énorme. Je sais quelle est la, et je dis en une minute, quel est le vrai problème. Parce que Mitterrand, en 89, avait lancé une idée semblable, mais il avait fait, je pense, l'erreur de mettre la Russie dans son idée de confédération. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et surtout, le vrai sujet, c'est de ne pas donner l'idée aux pays candidats que c'est une proposition pour les laisser dehors. C'est pour dire, on vous donne ça et vous attendez. Alors, la chose essentielle est de faire en sorte que, à côté de cet espace de confédération qui devrait travailler, il faut que la candidature des pays candidats, Ukraine en tête, commence son parcours et que l'on dise clairement que faire partie de cette confédération, ce n'est pas un frein, c'est un accélérateur pour l'adhésion, parce que ça fait en sorte qu'ils vont commencer à être partie de cette vie européenne et ça va aider. Si on fait ça, moi je pense que l'Europe prend un leadership au niveau mondial et peut aussi éviter le risque, mon dernier mot, que je vois avec les Ukrainiens. On leur donne plein de promesses, il y a plein d'attentes, mais on risque des grandes frustrations, comme ça a été le cas dans les années 90 avec les autres pays. Une longue attente va créer un tas de frustrations. C'est pour ça qu'il faut faire tout de suite ça pour leur donner l'entrée dans la famille européenne et éviter que dans quelques mois, voire quelques années, ils commencent à dire « ces Européens, là, c'est radin ».
Nous, on préfère les Britanniques, on préfère les Américains qui sont beaucoup plus généreux vers nous. Et là, franchement, ce serait de la part de l'Europe un choix et un manque de leadership qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Donc, moi, je suis ravi que la présidente du Parlement européen soit là parce qu'elle a démontré avec sa visite, vraiment, je veux rendre hommage à son courage. Elle a été, en tant que représentante de nous tous, du peuple européen, la première dirigeante à visiter Kiev sous les bombes. Je pense qu'il faut rendre hommage à son courage. Elle a représenté nous tous et nous sommes ravis que vous soyez là, Madame la Présidente. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, on va donc passer à la suite. Je vais remercier Sophia, Elena, Erwan et Thiago. Vous pouvez regagner vos places. Enrico Letta, vous restez avec nous. Vous allez donc accueillir Roberta Metsola. Merci à tous pour vos questions et cet échange qui a été très intéressant pendant cette première partie. Et je vous laisse accueillir Roberta Metsola, qu'on peut applaudir, la présidente du Parlement européen. C'est avec vraiment un énorme plaisir que je donne l'accueil de la part de l'Institut Jacques Delors à la présidente du Parlement européen. Je suis vraiment ravi, Roberta, de t'avoir ici avec nous pour plusieurs raisons. Première raison, cette conférence, c'est la conférence Jacques Delors. Et d'ici, nous saluons dans sa maison du quartier latin de Paris, Jacques Delors, qui nous suit et qui est toujours avec nous, qui nous aide toujours. Et je suis témoin de ça depuis 6 ans, président de l'Institut Jacques Delors. J'ai la chance unique, et j'ai eu la chance unique dans cette période, de pouvoir, quelques après-midi, les passer chez lui, à son habitation, entendre sa voix toujours positive, optimiste sur l'avenir de l'Europe. Donc, nous le saluons d'ici avec vraiment l'hommage à le grand homme que Jacques Delors est, à ce qu'il a fait pour l'Europe et la voix qu'il continue à laisser avec une cadence naturellement moins fréquente, mais en disant toujours des choses qui sont exceptionnellement fortes, comme la voix qu'à la fin du mois de mars de 2020, sa dernière allocution préoccupée sur une Europe qui manquait de solidarité à l'époque, et puis Next Generation EU qui a pris lieu. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel. L'Institut Jacques Delors a, depuis quelques années, son académie. Académie Notre Europe, qui marche, et marche d'une façon vraiment grâce à Sofia Fernandez, grâce à la directrice qu'on a déjà remerciée et qui a été, pendant ces années, qui est la deuxième directrice de l'Académie. La première, je la salue, a été Imola Streo, de nationalité hongroise, qui est enseignante à Sciences Po et qui a fait démarrer le début de cette vie de l'Académie. L'Académie est un lieu fantastique, fondamental, dans lequel des jeunes européens font un parcours. Et ce parcours, à la fin de chaque année, se termine avec la possibilité de créer de plus en plus cette communauté de jeunes. Beaucoup d'entre eux sont restés travailler avec l'Institut ou avec d'autres institutions européennes. Et c'est quelque chose qui est top parce que ça se lie avec d'autres initiatives semblables qui ont commencé à avoir lieu, qui ont lieu à Rome, en Italie, mais aussi aujourd'hui à Barcelone. À Budapest, on a créé avant le Covid et on a continué en hybride. On va reprendre la Budapest European Agora, tout un travail de jeunes engagés dans l'Europe. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle je suis vraiment ravi que tu sois là, c'est-à-dire qu'un des grands moments de l'Institut a été, il y a quelque temps, tout de suite avant le Covid, le mois de décembre avant le Covid, il venait d'être élu président du Parlement européen. Évidemment, je parle de ton
prédécesseur, David Sassoli, qui était un ami personnel et un grand européen, quelqu'un qui a changé l'histoire de l'Europe et quelqu'un qui t'a passé son témoin. Et tu sais très bien combien la relation entre vous et le fait que ce que tu es en train de faire est tellement dans la continuité du travail pro-européen et en condition de donner la force au Parlement que David Sassoli avait donné pendant sa période de président du Parlement européen. Aujourd'hui, tu es là. Et tu continues son travail. Cette promotion de l'Académie a décidé de s'appeler la promotion David Sassoli. Je pense que c'est un choix dont je vous remercie tous et toutes pour le choix que vous avez fait. Et je pense que Sassoli regarde, David regarde ton travail avec vraiment la joie de voir combien le rôle du Parlement est en train de monter en puissance. Ce rôle du Parlement qui est devenu vraiment historique dans les yeux du monde entier, comme je disais auparavant, avec ta présence physique à Kiev, avec le courage que tu as démontré et l'enjeu politique qui était lié à ça. Mais aussi le Parlement européen qui a pris des décisions tellement importantes, le vote en faveur des listes transnationales, le choix pour l'ouverture de la Convention européenne, le choix important sur Fit for 55, donc le choix en faveur des initiatives contre le réchauffement climatique, le Parlement européen protagoniste de la vie européenne. C'est ce que nous, on veut, ce que l'Institut Jacques Delors a toujours trouvé la façon de pousser. On a travaillé pendant ces années, grâce aussi au travail des vice-présidentes de l'Institut, Christine Verger, qui est avec nous aujourd'hui, avec un observatoire qui a toujours travaillé pour faire en sorte que l'Institut puisse aider le Parlement, la politique européenne. Et on veut continuer ainsi et on veut continuer dans cette direction. Et on sait que grâce à toi, ce combat va trouver des nouvelles batailles positives qu'on va gagner. C'est pour ça que nous sommes ravis que tu sois là. C'est pour ça que je te donne tout de suite, vraiment avec joie, la parole. C'est pour ça que, après ton intervention, tu auras la possibilité d'échanger avec les participants de l'Académie, avec ceux qui sont là. Évidemment, tu as aussi en live stream une audience beaucoup plus importante et beaucoup plus large. Mais là, tu as des jeunes qui ont choisi l'Europe, qui ont fait un parcours pendant toute cette année, année compliquée parce que ça a commencé avec encore la phase Covid aiguë, mais qui ont fait un travail et qui sont prêts aujourd'hui pour devenir de plus en plus des dirigeants européens qui veulent faire en sorte que ce combat européen soit de plus en plus fort. Donc, Roberta, merci, vraiment merci pour ta présence ici. Quand je t'ai demandé de venir là, je savais que la date n'est pas la meilleure. Parce que dans la vie européenne, on est ici beaucoup de personnes qui savent que la fin du mois de juin n'est pas le moment le meilleur, normalement. Robert, on sait quelque chose de plus. La fin du mois de juin est toujours un moment terrible pour la vie européenne parce qu'il y a la fin d'une présidence, il y a le passage à la présidence qui entre vendredi prochain. Donc, il y a vraiment, tout est vraiment très chargé. Mais le fait que tu aies dit tout de suite oui, que tu sois là aujourd'hui, que tu donnes ce message aux jeunes de l'Académie Notre-Rome, que tu donnes ce message à Jacques Delors en personne, dans la pensée de Jacques Delors, le futur de l'Europe à nous tous, c'est franchement quelque chose de très important pour nous tous. L'équipe de l'Institut, dirigée par Sébastien Maillard, à mes côtés, avec notre conseil d'administration qui est présent ici avec beaucoup de ses membres. Demain matin, on va voir la réunion pour clôturer notre semestre, nous aussi. Et vraiment, merci pour être là. Ta réponse tout de suite positive démontre ce que tu es, ce que tu penses et le fait que les prochaines années de ta présidence du Parlement européen vont être des années pro-européennes importantes qui vont changer la donne et qui vont transformer l'Europe
Roberta, à toi la parole. Merci, cher président, cher Enrico. Quand j'ai reçu votre invitation, je pouvais pas dire non, parce que moi, j'ai agrandi avec cet espoir quand il y avait la discussion dans mon pays ou d'entrer dans l'Europe ou de rester dehors. Pour ma génération, il n'y avait pas de choix. Moi, j'ai fait beaucoup d'activités pour choisir d'entrer dans un groupe de pays qui a fait de toutes nos vies une transformation inexplicable à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ça que nous prenons comme garantie, comme on voit dans l'Europe, les pays de quoi je vais parler dans mon discours, n'est pas toujours et ne peut pas toujours être pris comme d'office. Alors, chers représentants de l'Institut Jacques Delors, mesdames, messieurs, chers Européens, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui fait l'objet de discussions depuis plusieurs décennies. L'Institut Jacques Delors a joué un rôle central dans l'évolution de ces débats, comme vous avez dit, cher Enrico, aussi maintenant. Ses contributions se sont appuyées sur le travail d'experts, ajoutant des facettes supplémentaires à la conception riche et complexe dans ce que l'on appelle aujourd'hui la mode de vie européen. Et pourtant, lorsque les chars de Poutine sont entrés en Ukraine le 24 février, le débat a pris une toute autre réalité. I stand here representing the lost generation of the European Union to vaguely remember a world when democracy was constantly under threat. Anybody younger than me knows only peace. Putin's war on Ukraine has been a wake-up call on what I would say is the failure of our collective memory. We had grown so comfortable with the idea of a free and democratic Europe that we had forgotten that there are some, including on our borders, that think that there shouldn't be a future for democracy at all. Our collective judgment as a response to growing interdependence between the world's nations, whether that relates to our economies, our climate ambitions, or even the provision of energy supplies, this has been clouded by naivety. A naivety that led us to believe that Europe's way of conducting business through dialogue and exchange would naturally extend to our hostile neighbors. Now, the warning signs were there. The Baltic countries, Finland, Poland have been warning us for years. We saw the backsliding of democracy in Russia, hybrid attacks on our democratic processes, what happened in Crimea, what they did to Navalny, how they tried to crush democracy in Belarus. And yet when Putin's revisionist ideology was matched by his army, we let it be surprising. It should not have been surprising. Ukraine and its people have been battling a brutal and illegal war now for 129 days, excruciating days. As Russian bombs continue to kill indiscriminately, as the Russian army continues to rape Ukrainian women, as millions of Ukrainians have fled their country and will continue to do so, Ukraine is today looking to Europe for support. And they look to us, and this is a question
that we must ask ourselves and the responsibility that we grant ourselves. They look to us because they are not only fighting for their homeland, they are not fighting for their homes, but they are fighting to preserve the values that underpin our way of life. When we talk about freedom, when we talk about democracy, when we talk about the rule of law, these are not words that can be just cast aside when it no longer suits us. We have maybe done that because we took them for granted. But Ukrainians today know, and they've known for a long time, perhaps even before we could admit it to ourselves, that our European project is the largest force that stands in the way of Putin's revisionist past of spheres of influence, vassal states, and an iron curtain. So on the 24th of February, we woke up belatedly to the realization that Ukraine's fight is Europe's fight. So last week, when the European Council took an unprecedented decision to grant EU status to Ukraine and also to Moldova, this has become a watershed moment for European integration. I remember when I was a law student, and it was at the time when the Nice Treaty came into power, first June 2003. Our European law exam was on that day. So we all expected a question in the exam. What are the changes that will be brought about by this treaty? And then again, when I was doing my master's in European law, same question, what would we be discussing? But in both exams, there was the one question. When you look back, what do you think will be in the history books on European law in 10, 20 years? I think we should ask that question today. And I have no doubt that what happened last week, which was not at all taken for granted, or even if I think not only back to January when I started my mandate, but even to 5-6 weeks ago, I would not have thought that Ukraine and Moldova would today be candidate countries of the European Union. Why did we need to do that? And I was around that table last week in the European Council. Again, I thought that this would be something that would be more difficult to get through. In the end, there was an understanding immediately around that table that we needed to prove to Ukraine, to Europe, to our citizens as elected representatives, but also to the world, that no decision is too difficult to take when our values are being called into question. And if we see that and address it whenever we have crucial moments like this, and not focus on what divides us, and not take the instinct like we did at the beginning of the COVID pandemic of closing the borders after years of trying to open them as though we thought a virus would stop at a police border check. But that was an instinct that we took. And then it took us months to say, no, Europe is needed. When we talk about where the gaps are, we filled those gaps with unity and in more integrated development and policymaking. Because this show of unity, as it strengthened us during the pandemic, has now strengthened us in terms of our geopolitical security situation. And it has also strengthened Ukraine and every country that looks to Europe as that bastion of protection and democracy that it has always was. The next steps will be crucial and difficult, very difficult. War fatigue will inevitably set in. But this is where it is our responsibility to ensure that we do not become complacent. And this is why we must double down on our efforts to support Ukraine, while also taking stock of this fundamental shift in geopolitics. And this is why
we must look at the way that we engage with autocrats and where we should change the way we engage with them. Because our founding mothers and fathers worked too hard to forge a system to make any return to the horrors of war impossible. It is up to us to defend the rules and values-based order that we stand for. And that means that we need to cement an interdependent relationship between nations and people who are proud of their differences, but at the same time who understand that in this new world, the future can only be forged if we are together. And that means that we have to understand that interdependence is inevitable, and that we also need to grasp our responsibility in international fora. The responsibility is on us. We can no longer, as Europe, say somebody else can do that. If something happens in the world, another continent, another power can come in. Because what we have seen is that either that other power didn't come in, or any other irresponsible or unpredictable or autocratic powers come in with malign thoughts and ideas as to what they can do with countries that are waiting to join the European Union and have been waiting for decades, even though they've been promised year in, year out, elections have been fought and lost on this in those countries, that the door would be open to them. So the onus is on us, the responsibility is on us to define the rules, principles, and values that underline the way that we engage with other nations and the way those other nations engage with us. Because if it is not us, it will be somebody else. As Jacques Delors himself famously put it 30 years ago, if we are to resist the forces of fragmentation, protectionism, and exclusion, we must be more than just aware of our interdependence. We must move on and manage it, setting common objectives and applying common rules. So, ladies and gentlemen, a new paradigm must set in whereby the European Union must own and shape its own destiny, irrespective of the threat to our East. We must be ambitious enough and courageous enough to develop a long-term strategy, one that enables us to take a quantum leap to protect our values. And that unity that we have exhibited as a union and beyond must remain our blueprint going forward. Nous ne devons jamais oublier le pouvoir qui a l'Europe de transformer des pays et des vies. Notre projet de paix européen est peut-être imparfait, mais l'a inspiré et a permis d'obtenir des changements que beaucoup pensaient impossibles. Au fond, notre Europe, c'est une question d'espoir, l'espoir en l'avenir, l'espoir de voir nos libertés prévaloir et l'espoir d'avancer et d'inspirer le changement. Je sais que nous pouvons encore avancer et je sais que nous pouvons encore inspirer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roberta Metsola. On a pu constater que vous parliez très bien français. On a une petite demi-heure d'échange avec la salle maintenant. Donc, des questions dans la salle, des micros vont circuler. Est-ce qu'il y a des... Donc, les questions peuvent être posées en français, ça ne posera pas de problème.
Et puis, vous nous répondrez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a déjà une première question ? Est-ce que des gens se signalent ? Bonjour, Madame Metsola. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames, les conférenciers et les conférencières. Je sais que vous êtes d'origine maltaise. Vous avez évolué dans la vie politique maltaise. Et je voulais savoir quels étaient, selon vous, l'avenir des relations entre la France et Malte. Comment resserrer ces liens qui peuvent être porteur de culture pour la jeunesse française et maltaise. Alors, mon français n'est pas parfait, okay, mais j'essaie à répondre en français. Quand je perds un mot, je continue en anglais. Et alors, moi, j'ai étudié ici. Et j'ai choisi la faculté de droit à l'Université de Rennes. En 2002, deux années avant que mon pays ait devenu membre de l'Union européenne. Je n'ai pas étudié beaucoup, hein, mais j'ai commencé à aimer la langue française et parler et travailler quand je suis allée comme jeune diplomate à Bruxelles en 2004 pour travailler dans cette langue. Il y a beaucoup de relations entre mon pays et la France. Il y a beaucoup de Français qui habitent dans mon pays. Et il y a aussi beaucoup d'échanges culturels. J'espérais que... I would have hoped that more people would study French today in my country. Not enough do it. But I can tell you that the history and the relations, both from a diplomatic point of view and from an educational and cultural point of view, are very, very strong. I think they could be stronger. The tendency is for Malta and Italy to be closer together. But I chose France growing up because I knew that this is where being a true European could really very much be lived. And I continue to believe in that. And I continue to think that that could be further strengthened. Culture is often overlooked. Let's not underestimate that when we talk about united in diversity and how we are unique, how we bring together our visions and inspirations and aspirations, it's also through culture, and we don't focus enough on culture. We also overlook the fact that sometimes the easiest place to start cutting from a budgetary point of view is in these areas, and you underestimate the impact that that can have on people, and that can have on the true belief in European Union being a union of different countries and different, and the possibilities are endless. So this year, because it's the European Year of the Youth, 2022, we are moving now from the French presidency, which has been a very successful presidency in my opinion. I understand you had Clément Beaune before. There are still a few days left, and I can tell you many last minute negotiations are taking place on many legislative packages where the parliament is on is at the table with the council. But this also needs to lead to make sure that we do not, the minute we think we need to save somewhere, we save in culture or programs that would help young people become more European, if I can call it that, after two very difficult years. Merci. Une autre question dans la salle, oui, au milieu là. Alors, le micro est peut-être ailleurs, hein, voilà, il est sur le côté. Et bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Regarding the future integration of Ukraine in the European Union, we all know that European countries have a mutual defense agreement. And this could be a problem with Russia, as Russia, for good or bad reasons, considers Ukraine to be part of its sphere of influence or even territory. Wouldn't it have been more efficient and better
to propose another form of association to Ukraine. Some form already existed. And wouldn't it be more important to provide Ukraine with decisive weapons, such as fighter planes, tanks, long-range anti-aircraft missiles, than promising a future integration that would likely not be would not come into effect? Thank you. Well, thank you for this question. I'll start with the latter part. Could we have been more efficient in supplying weapons and defense? Yes. It took us too long to react at the beginning. But at the same time, Putin thought that he could take over Kiev in 5 days. And they are showing us that not only have they shown us that they did not manage that, although what we have seen in the last couple of days are war crimes, pure and simple, is testament to the spirited bravery and resilience of the Ukrainians in protecting their territory. When I visited Kiev on the 1st of April, that was the day before the horrific images of Bucha emerged. So the discussion on that day was still about what level of integration is possible. President Zelensky told me 97% of Ukrainians want to join the European Union. The decision has been taken not to join the NATO alliance. Another gross miscalculation of Putin is that he thought that with his action, and when I said in my speech that the alarm bell should have been triggered earlier and we looked away, is because we thought that what he did in 2008 and 2015 would not be repeated. And make no mistake, he will not stop here. So his gross miscalculation of thinking that this would stop the NATO expansion has led to countries that till today are constitutionally neutral to enter NATO. Also something that would not have been possible 6 months ago. And I think what has really changed that is that whereas before you had, before the 24th of February, and I really want to use that date as also the point at which the way decisions in Europe are taken, is that before the decisions would be taken at the European Council level, leadership level, and then explained to the citizens. This is what we decided, many different versions of what was decided, and then explained. What I saw change completely, and this is not only in the parliament that I have the privilege and the honor and responsibility of leading, but also in the other institutions, you had prime ministers and heads of state saying, my people want me to go further on Ukraine. My people want Ukraine to become an EU member. And my people need to make sure that that mutual defense clause, which you mentioned, is not abandoned, especially in this period where there is a potential of further NATO expansion and further EU integration. Many questions are put to me. What's the timeline? What's next? Let's not underestimate the transformative effect that also the pre-accession period can have on a country. Because programs start to be automatically available to pre-accession countries, candidate countries. When I look at what was done within days of the Russian invasion, which is Ukraine being connected to Europe's electricity market, and Ukraine also be connected to our digital market in terms of roaming, etc. But also in terms of already a very wide-ranging trade agreement that we have with Ukraine that should and will be built on. So we are not starting from scratch. The question of territorial integrity will always remain. The same question applies to other countries that are candidate countries. But rather than focus on which level of the garage you are parked in, if I can say that, I would like to say that we opened the doors last week when it might have been easier to close them.
but there was no option for us. And I'm happy that the European Parliament was there already on the 1st of March saying, grant Ukraine candidate status. There were many who said, oh, no, don't do that. It's too early. I said, no. This is what the Ukrainians need right now. They have been invaded. We are all at the behest, some countries more than others, of a very menacing, threatening, unpredictable neighbor. Are we going to continue to look away from an energy, geopolitical, security point of view? As I said, the next months will be very challenging, but politically, we need to talk about that further integration. And if we do that, we will be sending the signal that the European Union is not only a group of economically interdependent states, but that those values underpin the decisions we take. Why do I also say that? Because we are seeing backsliding of those values also inside the European Union. And we make it so hard for countries to enter. And then once you enter, you can almost do anything. And there are no tools. So this is also some of one part of the conversation that I would like to have in the convention, once it's triggered, on precisely where are the gaps, how we can fill them, and with the tools that we have we used them well or have we ignored them? Merci. Une autre question, le micro là, il y a une question. Là. Ah non, vous êtes là, d'accord. On vous voit mal en fait. Hein. Oui, yeah. Allez-y, je vous en apparently prie. For filming reasons, I had to move this way of the room. I'm going to jump on what you just said. So Enricoletta mentioned before that we are finally engaging in a conversation about the idea of overcoming this dichotomy between a federation and a confederation, in a European confederation, and like accepting the complexity of the fact that maybe we need both in order to welcome countries which are at different stages that allow them to integrate the European project. At the same time, I'm asking myself, how are we going to do this? Meaning like on both sides, for waiting countries, Ukraine first, how are we going to sell them the fact that they're going to be in a different waiting list, in a way, like a more welcoming and well, better labeled waiting list. Well, someone like Zelensky just said, we are not being filling thousands of pages of dossier just to be put in a waiting list while we're being bombed. We want to enter the EU and full stop. We're going to enter the EU with all the benefits and the duties that come with that. So how are we going to sell them the fact of being put in another waiting room in a way, and also to the other countries that have been waiting for quite a long time. Like now we're going to build a new system and put them in a gray zone. And on the other hand, like for countries who are already in the EU, is that potentially going to threaten furtherly the process of integration? Will that somehow unleash the idea of a more on a Europe which is more like a menu à la carte thing, blocking or maybe even causing a backlash in the European integration for countries we're already in? Thank you very much. If you asked me this question 4 years ago, just after the Brexit referendum, I would have told you that I am seriously concerned that movements that are in favor of their countries exiting the European Union will grow. Today, I have no doubt that the opposite is true. Why? First of all, because we have seen what a mess it has been. And secondly, it's because there are no advantages. And it's being realized now. Enlargement processes have never been easy. It took 10 years for my country to join. And Zelensky has also mentioned the door being closed and candidates' countries being outside. I remember that door being physically closed. It was my job to be waiting outside to see whether we would be let in or not. And there was always this thing, yes, but, or one more thing you need to do, or you have a problem in this case. And I remember my job as a young civil servant at the time was to say, well, it's not us, sir. There's that country that's already inside the room that has a bigger problem than we have. I don't think today, when you look back at what that
moment meant for those 10 countries, or my country was one of them, on the 1st of May 2004. I don't think there is anybody who says that that was a mistake. I don't think there's anybody who says that the European Union is weaker today than it was then. If anything, I think it is much stronger. Is everything perfect? Of course not. Are countries, let's say, still far behind others? Of course. I'll give you an example. When we look at the climate package that we voted on last week, in its implementation, there will be countries that can implement the targets immediately, some countries that will never be able to, never. But that's also because the development level is slower. So I think that when we're talking about federation or confederation or different levels, there are always different levels. It's just that let's not make it an exclusionary process, because there is no way that now that I and my country is in, and all my colleagues who joined on that day, that we now decide the European Union is full up. This is not a numerus clausus kind of thing. This is an understanding of what Europe wants to do and where we want to go. Last week at the Western Balkan Summit, the president of Kosovo, came to the room and said, in this room, I am the only one from a country of 1.9 million people that needs a visa to come to Brussels. The only one. None of you have that. I, as president of a country, need a visa. We are not asking for candidate status. All we want is visa liberalization for 1.9 million individuals. We left the room with no response for that. And in fact, what I'm concerned is that what could have been last week a very transformative summit for the Western Balkans was not. I think there will be movement on North Macedonia and Albania and Bosnia and Herzegovina to different levels. I'm also not a fan of packaging and understanding that different countries have different realities. And also I recognize the fact, and we all need to recognize, first of all, that Moldova was ready to answer all the questions in months rather than years that other countries have taken. And when I met President Zelensky and different ministers, and I told him, look, we need to go through the different steps. He said, don't worry, we will have the answers to the questionnaire and to everything in 4 days. They replied in 2.5 weeks. Huh? And the European Union had to step up. And the European Union did step up in making sure that the response to the application was done at lightning speed. And the European Parliament also needed to step up to make sure that the decisions that had to be taken within our institution were taken much more quickly, even though sometimes, you know, we are told that, Parliament takes longer. Didn't take longer, because if you look at the European Parliament today, you will find quasi-unanimity on this issue. And that is, I can tell you, extremely difficult to find in this Parliament. But I think that rather than talk about terms, I would say, how can we, as people who are entrusted with the responsibility, look at our counterparts, our colleagues, our brothers and sisters in the eyes and say, you can rely on us. This is how I conduct my job. When I am at the table, I say, you can rely on me because I can deliver on this. On this, it will be more difficult. On this, it is your turn to deliver. And that is the conversation that we need to have. But what I don't want to see is countries, I give you an example, going back to the Western Balkans, that have done everything. Some have even changed their name in order for them to enter the European Union. And then they're told, sorry, not yet. So I think that we need to take a long and hard look about that. But if you see also how the sanctions packages were adopted, and yesterday the G7 called for further sanctions,
in relations to arms and transport with Russia and in Russia, I think that we are ready to take the next step as well. Steps that I didn't think would be possible in the past. So I would not necessarily think that this is going to make Europe weaker. If anything, I think those prime ministers around the table understand that they have no choice but to get closer together. Est-ce que vous êtes favorable, Enrico Letta nous parlait tout à l'heure d'une espèce de photo à 36, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des accords très concrets? Il nous parlait d'Erasmus, par exemple. Est-ce que c'est des choses concrètes qu'on pourrait élargir? Yeah, absolutely. That picture and understanding, but it has to have concrete outcomes, because I can tell you last week when at the end of the Western Balkan summit, to hear the prime ministers of the Western Balkans saying, you know, like we came and left with nothing is also very difficult. But the image and the commitment that we could have with access to Horizon, the new Bauhaus projects, reconstruction, Erasmus, as you mentioned, roaming, digitalization, all these can be done within the accession process. And if we can give the leaders of those countries concrete steps, look, we are now here. Look, we are now going there. That's the next step. I think we can very much send the best of messages. So I absolutely and fully agree with that. Merci. On va reprendre des questions dans la salle, mais on a aussi des gens qui nous suivent sur Internet. Je vais juste relayer quelques questions. Pensez-vous que l'Europe puisse devenir un leader dans la lutte contre le réchauffement climatique? Le Green Deal européen lance beaucoup d'espoir, mais cela ne va pas assez vite pour la jeunesse. Et puis, il y a d'autres questions sur ce thème aussi. La ville de Grenoble a été élue capitale verte de l'Europe cette année. Que pensez-vous de l'efficacité de cette initiative européenne d'élire des villes vertes? Et avez-vous prévu d'aller à Grenoble prochainement? I love Grenoble. But okay, on the latter point on the ville verte, I forgot to mention one thing, and this is also something that has been fantastic over the past months. And I give you one example. I was in Strasbourg. So second week of March, we had a plenary session. So where we had the monthly session in Strasbourg, and I met with the leadership of the city and the region. Klaus Feller, the secretary general, was there with me, and one of the persons in that room said, I need to go because I have two big coaches coming of people who are from Ukraine, and we need to find them lodging where they can live because they are arriving right now. And I said, where are they coming from? He said, well, they are coming from Ukraine. They have not slept in over 3 days. I said, are they going to stay in Strasbourg? He's like, no. They are going to Porto in Portugal. I said, but why Porto? He's like, because what this war has triggered is an absolute mechanism of engagement and solidarity at the local and regional level. It was unbelievable what we have seen. The mayors and the local leaders have gotten together and identified, because they are the ones on the ground. When I was in Florence, when we met with Mayor Nardella, this was precisely what we were told. The mayors are on the ground saying, I can do this, I can do this, I can help out, I can help out. This continent has not seen that in decades, in decades. And this does not come from a law or a particular obligation. It comes from true show of solidarity. When I was on the platform on waiting for the famous, now famous train to go to Kiev in Poland, on the other side of the platform, there were hundreds of people, refugees still coming. It was still very early. And I asked, where are they going? And they told me, Czech Republic. This is a train going directly to Prague. And this is organized at the local level, not at the national level. So what we have seen in terms of leadership at the local level is absolutely unbelievable and amazing and truly European. Ville Verte, I think we need to see more of that.
I think we had started with the EU investment, the Invest EU plan that was started with the Juncker Commission. It was called something else, I can't remember. There you could see which countries were going faster in terms of greening their cities. I remember some French cities were extremely leading in this category. But in some countries, there was very little done. And as a result, we are in a position and we have taken very, very ambitious decisions on the implementation of the climate laws last week, on the emissions, on carbon border management adjustment mechanism, on the social climate fund, extremely important social pillar that will target the social and economic impact of climate and on small businesses particularly, that we have to realize that we have to help some countries more. It will be much more difficult for some countries, especially those that have not invested enough in renewables. And this is why for the Parliament, it is crucial that we advance the work on our legislative activity on renewables, because we need to make sure that member states are given the equipment for them to transform where they get their energy from. And if this war has shown us something, where we are seeing coal plants being fired up again after decades of no use, everywhere, it is now. Are we fast enough? No. From a technology perspective, we are lagging behind other continents, both the US and China. We still remain a leader in the creative industry, but in everywhere else, we are losing our pace. And I think that every legislative initiative that we take has to also keep that in mind. How can we make Europe a leader? And as the questions that came in prove, in 2019, when we were elected together with my colleagues, we were asked to act on climate. We were asked, and we need to have something to show for it in 2024, when we face again our audiences that tell me, look, I want to know what you have done over the past 5 years. Can you show me what you have done? In some countries, we will have the same questions on migration, for example, big debate. What have you done on migration? Have you moved? I can tell you so far we have not. In the Parliament, we are identifying certain landing zones, but it's going to be difficult. So I'm acknowledging the challenges also after 2 years of a pandemic, which meant that our legislative work needs to be picked up again. And it's going to be hard, but we have the right, let's say, momentum in the Parliament that we will do it. So I end this very, let's say, pessimistic answer with an optimistic word. Merci. On va prendre une ou deux dernières questions. Oui. I have a question. So first, thank you for being here. I'm Elisa Estienne, a part of this marvelous adventure called Académie Notre Europe from l'Institut Jacques Delors. So as a quick reminder, you're the third woman after Anne Fontaine and Simone Veil. And I was wondering your thoughts about what is going on in the United States about abortion. Thank you very much. So Simone Veil was elected in 1979. Nicole Fontaine was elected in 99. And it takes 20 years every time for a woman to be elected president of the European Parliament. I hope that will not happen again. The first question I was asked, or maybe the second question I was asked after I got elected, was, what is your position on women's rights? And my answer was unequivocal. I stand for women's rights and equality everywhere. Position of the Parliament is clear. And where there are regression of rights, then the Parliament will fight that. We spoke about that already last year in Poland. You see what happened? And what happened last week in the United States, I have already reacted myself as President of the Parliament, but I have no doubt that next week in Strasbourg, there will be the strongest of statements in that regard, that the regression of rights of women around the world
is unacceptable and we will fight it. On a peut-être le temps pour la dernière question. Il y a beaucoup de mains. Bah oui, il n'y a qu'un seul micro. peut-être... est-ce qu'il y a un deuxième micro? Voilà, allez, la dernière question, allez-y. Bonjour. Merci, Madame la Présidente. Et j'ai mille et une questions à la suite de vos propos. I'll only ask you two questions. I want to go back to the presentation you gave, and you spoke of a new paradigm that the EU must now delve in. What priority issues do you reckon this new paradigm must include? Can we expect, and I want to go back to what's NATO been discussing, can we expect a review from the EU of its relationship with China, the way Germany's been engaged, the way Germany's been thinking about this already? And so what's our relationship with China? The second question has to do with the fact that we've seen recently that conservative forces abound, not just in the EU, but in the US. You've seen the results of the French election with the RN winning, securing the highest number of seats ever. We've seen the power of Orbán in the negotiations in the sanctions package. Is there a spread of nationalism coming into the EU? And as part of this new paradigm that you've been discussing, that you've been presenting, how do we engage with new extreme right forces? Are they taking over the conservative right that we've known for so long in the EU? Thank you. Long question. I think he collected everybody's questions and gave them to himself. Okay, so thank you for this. I think our biggest, if we talk about what our main aim has to be, first of all, we have to restore peace on our continent. This is no longer just rhetoric, it's real today, because we have war on our continent. And peace does not come at any cost, it comes also with freedom and justice. And that means that the liberty that citizens of the European Union have, or people who live in Europe have, need to be guaranteed and protected everywhere. And that is why I said we can no longer take that for granted. Our climate challenges are huge, and we should not underestimate populist forces in our union who claim that rising prices, et cetera, and all the challenges are due to the Green Deal. We started to hear this already in the autumn before the war. On who is in parliament and who is not. My answer is, look around you and see whether everybody around you voted or didn't. We have a too high abstention rate in elections in Europe. It's not the same in the US. This is the results there that we are seeing are not as a result of abstention, but more polarization. But here we have a big problem. Engaging, especially the younger voters, to turn up to vote. In 2024, four countries will even have 16-year-olds voting, different to last election, four countries. What do those young voters want? Are they frustrated? Do they think all politicians are the same? Do they think that no matter who is elected, the result will be the same? My job is to make sure that the answer to that is no way. I also think that because of the big challenges that we are going to be facing, if we tap into that frustration and, let's say, citizen apathy, which is our fault, we can answer the questions they want us to ask. They want us to answer. There is a big challenge, especially between
people who live in urban areas and rural areas. We see that across the European Union, so, and especially in the geographically larger member states. We also see it in countries where you have systemic problems that have not been changed irrespective of who is in power. My second answer to that is we should counter the narrative. For many years, we thought that the extremes will not grow if we ignored them. Not only have they not grown, but they're occupying vast parts of legislatures, which in some countries might paralyze decision making, or in some countries might take over decision making. So that's why the political forces in the center more than ever need to get together. The pro-European constructive center. And that means who has the answers to social and economic inequalities? Who can continue to ensure that growth in the economy is guaranteed? Who can ensure that protection is given by the state, but also that public finances are in balance? If we bring these fundamental principles of running a country together, then you can build a constructive force in all countries in the center. But to do that, we need people to vote. And people to be convinced. That's my job, to convince. And it's not about a color, a political color or another. It's about understanding that if you place people who know how to negotiate across the table with other parties, with seriousness, with responsibility, I think we can manage. Climate needs to be at the very, very core, and the parts that I mentioned, with peace at its as the thread across all the policies, could mean that we might look at a shift away from the forces that you mentioned. Do I have all the answers? No, I don't. But I think that we need to work hard for that. The worst thing we could do is look away and think it will go away, because it will not. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roberta Metsola. Merci beaucoup pour cet échange avec la salle. Alors, il y avait encore plein de questions. Je suis désolée, il y en avait aussi sur Internet. On n'a pas pu tout prendre. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec les jeunes de l'Académie Notre Europe. Oui. On vous remercie d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec les jeunes. Et on va donc laisser maintenant la place aux jeunes, justement, qui vont... Si. Merci à vous encore. Merci donc à Roberta Metsola, merci à Enrico Letta, à Clément Beaune qui sont venus ce matin. Et donc, je vais laisser la place et je vais passer le relais à Sofia Fernandez, puisqu'on va passer maintenant à la remise en fait des certificats de l'Académie Notre Europe, qui viennent donc couronner cette année de rencontres, d'échanges avec les jeunes et les intervenants que vous avez vus toute cette année. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session de clôture du parcours annuel de l'Académie Notre Europe, qui est aussi notre conférence Jacques Delors, donc ouverte à un plus grand nombre de jeunes. Je tiens avant tout à saluer les jeunes de la promotion 2021-2022 de l'Académie, ceux qui sont ici présents, mais aussi ceux qui nous suivent depuis chez eux, ceux qui ont suivi ce parcours à distance.
Je veux aussi saluer les alumni de l'Académie Notre Europe. Ils sont nombreux. Nous avons depuis 5 ans accueilli plus de 250 jeunes au sein de notre parcours annuel de formation à la citoyenneté européenne. Et nous sommes fiers d'avoir pu depuis 5 ans agrandir chaque année la promotion. Nous avons commencé en 2017 avec une trentaine de jeunes dans la première promotion. Aujourd'hui, cette dernière promotion inclut presque 70 jeunes. Permettez-moi, avant de remettre avec Enrico Letta les certificats aux jeunes, de revenir brièvement sur ce parcours de la promotion David Sassoli. Depuis octobre dernier, les jeunes se sont retrouvés une fois par mois pour des journées d'échange, de débat, des jeux de simulation, une visite aussi aux institutions européennes à Bruxelles. Tout cela dans l'objectif de mieux comprendre l'Union européenne, ses politiques, son fonctionnement. C'était une année très riche, marquée notamment par la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais aussi la présidence française du Conseil de l'Union européenne. L'actualité est aussi un marqueur de chaque promotion. Et quand nous avons débuté cette promotion cette année 2021-2022 en octobre, si le fil conducteur était la pandémie de la COVID-19, les réponses qui ont été apportées par l'Union européenne et ses conséquences en Europe et dans le monde, très rapidement, à partir de février, la toile de fond a changé. Et bien sûr, depuis février, c'est l'agression russe de l'Ukraine qui est la toile de fond de ce parcours et donc qui a marqué les dernières sessions de ce parcours annuel. Mais l'Académie, ce parcours que nous proposons, il ne repose pas uniquement sur l'acquisition de connaissances. C'est un des objectifs, mais l'objectif est triple. À côté de l'acquisition de connaissances, il y a aussi le développement des compétences des jeunes. Et pour cela, nous leur proposons de s'engager dans des projets, notamment l'organisation de débats, des interventions dans des établissements scolaires ou encore la création de podcasts, d'infographies ou de vidéos. Le troisième pilier, le troisième objectif, est celui de vivre une expérience de civisme européen. Et cela grâce aux échanges entre eux, puisque nous avons notamment au sein de cette promotion plus de 12 nationalités représentées. Et cette diversité fait la force et la richesse de l'Académie. Il y a une diversité en termes de nationalité, mais pas uniquement. Il y a aussi une diversité de profils, car je tiens à le souligner, il n'y a pas de condition de diplôme pour rejoindre l'Académie, ce qui fait que nous avons dans chaque promotion des jeunes aux profils très variés. Nous avons des jeunes qui sont déjà initiés aux questions européennes et d'autres qui découvrent, grâce à l'Académie, comment fonctionne l'Union européenne et quelles sont ses politiques. Cette diversité, je tiens à le souligner, est un des facteurs de richesse pour nous, pour la promotion et pour les échanges qui ont lieu au cours de l'année. En cette année européenne de la jeunesse, je voudrais citer Jacques Delors. Et il se questionnait il y a 30 ans, comment fera-t-on l'Europe si le jeune ne voit pas en elle un projet collectif et une représentation de leur propre avenir. Le projet européen doit se faire avec et pour les jeunes. Et nous sommes fiers que l'Académie Notre Europe puisse, à son échelle, contribuer à rapprocher les jeunes de l'Union européenne. Cette journée, qui rassemble plusieurs centaines de participants, que ce soit ceux ici, mais aussi ceux qui nous suivent à distance, en est certainement une belle illustration. Et nous ne pourrions pas clôturer ce parcours, cette année 2021-2022, sans remercier toutes celles et ceux qui contribuent au quotidien pour concrétiser ce beau projet. Je remercie naturellement Enrico Letta, qui, comme il a déjà été dit, a lancé ce projet il y a 5 ans et qui le porte avec nous depuis 5 ans. Je remercie aussi très chaleureusement l'équipe de l'Académie, Mathieu Meunier, Benjamin Couteau, Clervy Carnéis, Tanguy Piochot, qui ont organisé chaque séance, accompagné les jeunes dans leurs projets. Un grand merci à tous les quatre. Je remercie. Merci. Je remercie plus largement l'équipe de l'Institut Jacques Delors, qui contribue d'une manière ou d'une autre aussi au succès de l'Académie Notre Europe et en particulier à l'organisation de cette belle conférence Jacques Delors.
Je tiens aussi à remercier les intervenants et intervenantes. Nous avons eu cette année plus de 40 intervenants et intervenantes au cours de l'année, dont des membres du conseil d'administration de l'Institut et les chercheurs et chercheuses de l'Institut Jacques Delors. Je tiens à les remercier. La qualité du parcours dépend naturellement de la qualité de leurs interventions. Donc, un grand merci à eux. Dernier remerciement, ce parcours, l'Académie ne pourrait certainement pas exister comme elle existe aujourd'hui sans le soutien de ses partenaires, un ensemble d'entités qui nous soutiennent, notamment au niveau de la logistique ou un soutien financier. Je tiens à remercier ces partenaires, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la région Île-de-France, la MACIF, la Fondation Kallus Gulbenkian, les représentations de la Commission et du Parlement européen en France. Un grand merci pour votre soutien sans faille au cours des dernières années. Avant d'appeler les jeunes sur scène, je voudrais tout de même rappeler que les candidatures pour le parcours, pour la promotion 2022-2023 sont en cours. Chacun d'entre vous qui n'a pas déjà participé à l'Académie, bien sûr, est un candidat potentiel à l'Académie, ceux qui y sont ici ou ceux qui nous suivent depuis chez eux. Je le souligne à nouveau, il n'y a pas de condition de diplôme pour rejoindre l'Académie. Donc, si vous êtes curieux, motivé, vous avez envie d'en savoir plus sur l'Union européenne, de vivre cette expérience, cette belle aventure avec nous, si vous avez du temps à y consacrer, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature d'ici dimanche prochain. C'est la date limite, le 3 juillet, donc date à retenir. Et enfin, nous allons donc pouvoir appeler les jeunes un par un pour venir recevoir leur certificat. Mais avant cela, j'aimerais que nous applaudissions cette promotion, David Sassoli, les applaudir, les féliciter pour le temps engagé, le travail fourni, la motivation démontrée. Bravo à eux et toutes nos félicitations. Je vais donc appeler les jeunes un par un et nous resterons sur scène pour une photo de groupe à la fin. Donc, le premier que je vais appeler est Thiago Duchet. Je souligne que tous les jeunes de la promotion ne sont pas ici présents. Certains nous suivent à distance. Nous n'avons pas la promotion au complet, mais je vais appeler Erwan Jean. Je vais aller un peu plus vite. Le temps que vous arriviez sur scène, j'appelle déjà Elena Rubinski. Sofia Staderini. Jean-Charles Adriensen-Garde. Lucas Auger. Yam Ben Saïd. Niccolo Bianchini. Sophia Abron. Omeima Chadouli. Je ne sais pas si elle est là. Léa Klapowski. Non, elle n'est pas arrivée. Donc, j'appelle le suivant, Philippe de Bestegui. J'ai pris un raccourci. Paul de Boissel. Geoffroy de la Tour du Pin. Elisa Etienne. Théo Faucon. Vincent Ferrarez.
Sara Fialio Esposito. Anne Guérin. Antoine Biziou. Chanel Kawashi. Nicolas Ladino Camargo. Mona Lebourg. Carla Monaco. Suzy Muselet. Alexandra Nail. Théophile Noël. Caroline Femme. Il vient d'un peu plus loin. Aline Richermos, je ne sais pas si elle est là. Donc là, c'est Caroline Femme. Édouard Christian Rotarieux. Arthur Schmitt. Jamel Zaghouani. Tanguy Piochot. Mona Guichard. Et enfin, Thibaut Lavigne. J'invite Mathieu, Benjamin, Sébastien, ceux qui sont là de l'Institut, s'ils veulent nous rejoindre pour la photo de groupe, vous êtes les bienvenus. Et on vous libérera ensuite pour le déjeuner avec quelques minutes d'avance. Super. Bravo. Benjamin, je crois que tu avais un mot de la fin. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi pour cette matinée. Donc, je vous invite maintenant à aller vous restaurer. Vous avez le restaurant des 400 coups qui est ouvert juste ici dans la cinémathèque. Et je vous invite. Ok. Adoré. Et donc je tenais à vous dire quelques mots et peut-être à convaincre les personnes qui sont ici dans la salle de venir faire cette formation. Alors.